Voilà. Bonsoir, chers compatriotes. Juste un petit direct. On avait instauré un système. Tu vas y tourner ça, va directement, bah, courte vidéo, il y a 10-5 minutes, parler juste sur une thématique, sur une actualité. Voilà. Là, je sillonnais un peu les réseaux sociaux et je vis quand même pas mal de vidéos. Mais il y a une vidéo qui m'a tiqué un peu, c'est la vidéo des. Avec Christian Bossembé, où il essaie d'expliquer un peu, justifier un peu le fait qu'il y a beaucoup de balous dans la cour des tribunaux, donc ça veut dire la magistrature, bah, avocat Ming Bazabalouba, bah, pasteur Ming Bazabalouba, et bah, juge bah, magistrat Ming Bazabalouba. Donc, et là, j'avais voulu un peu qu'on réponde yé. Hein, je réponds particulièrement à cette vidéo parce qu'en fait, je n'ai pas compris sa démarche en fait. Il cherche à justifier. Et là, comme oh, personne ne peut justifier. Ce n'est pas parce qu'il y a une majorité, il y a un juge ou il y a un avocat qui sont d'une même tribu ou d'origine, machin et tout, qu'on doit forcément considérer et tolérer, permettre à ce que cette communauté wana ait un monopole et à gestion à la cour des tribunaux. On va revenir sur ça. Et moi, en fait, le direct que je fais, c'est juste pour répondre à IE, mais par une autre manière. Parce que je pense quand même qu'avec universitaire, et comme tout universitaire, il y a première gradoire, il y a du coup, il y a la recherche scientifique, il y a la critique historique, aussi aux intellectuels, la première des choses, bah, pour vérifier pourquoi. Voilà. Il y a un fait, oui, il a relevé des faits, oui, aujourd'hui, d'un niveau, il y a un monde pastoral, il y a. Beaucoup, comme il a dit, au niveau évangélisation, il y a eu beaucoup de nos compatriotes Louba qui sont dans l'évangélisation. Et puis, au niveau à faculté, à droit et tout, il y a beaucoup de nos compatriotes Louba qui sont dans la magistrature. Mais il ne s'est pas posé la question pourquoi. Et moi, justement, je viens juste qu'on réponde et en s'interrogeant sur le pourquoi. Pourquoi Baza et Béli? Eh bien, c'est tout simplement la réponse, elle est simple. Bah, oh, bah, yébi, histoire y a Congo, et on doit retenir une chose. L'histoire à Congo, on ne doit pas les résumer seulement na guerre à Lumumba, na Kasavubu, guerre à 80 jours, bah, guerre y a Katanga, Mouzé, la politique, le père de l'indépendance, le père de la démocratie, Mobutu et consorts. Non. Il y a des pionniers, il y a des artisans, il y a eu des gens qui ont combattu, il y a eu des gens, oh, ces gens-là sont encore en vie. Monument vivant. Je peux citer Njoli, Jacques Njoli, et puis vieux Sambokolombe. Allez chercher ces gars, allez chercher ces deux vieux-là. Ok, nous poser une question, vieux, expliquez Bissot, pourquoi il y a trop de magistrats ou trop d'avocats, Louba. Pourquoi? Donc, je ne sais pas l'âge que tu as. Je ne sais pas quand c'est arrivé à Kin, mais Batu Oyoyo, le sac qu'on a une déco, Moutota, Batu Oyo, Bavanda na Kin, Batu avec une fac na Kin, les années 80, les années 60, 75, 16, tout ça, Yebso solo. Benga, beau-frère Nayo, Christian Bossembe, contacte ton ex ou beau-frère, je ne sais plus, Jacques Njoli, pose-lui la question, pourquoi il y a trop de balouba dans la manche? Il va te répondre. Parce que Jacques Njoli, na vie Sambo Kolombe, ba vie José Lokolo, ba vie Bélé, bango ba tangisaka makila na bango pour que yo, Christian Bossembe, soko tanga kin, je sais pas parce que tu as fait tes études d'université, sauf ça qui est à l'université à Kinshasa, dis merci na ba vie José Lokolo, ba vie Sambo Kolombe, ba vie Jacques Njoli, ba bimisaka ba machete pour ba tribu musulma comment ko évoluer. C'est ça aussi la réalité. La réalité, où est dans la carte à Congo, ils ont été, où ils vendent, parce que les éléments de la personne. Parce qu'on voit que nos amis, nos chroniqueurs, où ils faire la même analyse politique, vont souffrir dans la logique, moi, qu'il y a recherche. C'est des personnes, où ils savent pas les éléments de langage. Bah, foutu aux 100 dollars, qu'ils n'aient qu'au lobaké, bah, l'ouba, bah, les kébélés, dans la magistrature, bah, ça, bah, avocat, ming, bah, l'ouba. On te dit pas pourquoi. Mais il y a tant que scientifique, un intellectuel, pose la question. Pourquoi, bah, l'ouba, bah, ça, ming? C'est tout simplement parce que, les Balouba, oui, effectivement, bah, ça y est, belé dans la magistrature, et ça qui s'est appelé les années 80. On a des exemples vivants parce que mon frère aîné Claude Chomongo, a été victime. Il y a l'oubalisation, il y a l'université, les qui t'attendent à fac à droit. Ce rosa, na combo, na eza, na connotation, mungala, ou zba, ou l'exoté.
Et il y avait une guerre Est et l'Ouest. Quand on disait guerre Est et l'Ouest, c'est là qui Congo Ouest, c'est là qui Équateur, Bandundu, Kinshasa, na Congo central d'un côté, contre ou Est. Et c'est là qui le Kasai et Bakota, Baswahili font. Donc, Congo, c'est là qui, au niveau université, là, le pays était divisé en deux pôles, Est et l'Ouest. Bang Congo, na Bangala. Et puis, côté Kuna, Ezaki Baluba, mais ils se sont positionnés comme un côté Est, Naba Swahili. Donc, ce qu'on a un combo, on a eu un peu de Ngala, ou Zouate, ou Lekanchikite. Et première année, première graduée, Moko, dans l'université à Kinshasa. Il y a un Moko, et la majorité de prof, on a eu un professeur à Baluba. Et pourquoi? Parce que Moutali Bosso, qui est responsable, il y a Enda, ou avec Ope, sa bourse, sa étude, sa qui et il a privilégié ses siens. Tchibangu Tchichichichiku, je viens Tchibangu Tchichiku, qui président conseil d'administration, il y a université, il y a Zaïre. Bah, université, nous surtout le président conseil d'administration, qui Tchibangu, monseigneur Tchibangu Tchichiku. Et quand il y avait des bourses, il attribuait des bourses à ses compatriotes, Luba, Bakendi, Babandakoya, Otanga. Dans la médecine, pareil. Et la rhétorique, il y a ma prof Wana, et Zala Kinini, que Bino Boza, ba forestier. Moussa, na Bino Ezali, Bokene Kosa, na sécurité, Bokene Kosa, na armée. Vu que Bino, ba forestier, vous êtes dans mon bout, vous êtes au pouvoir, nous allons bloquer la science. Et ce qui a justifié le fait que, dans la faculté, jusqu'à l'année 82, 83, voire même 85, l'État m'a créé deuxième classe, c'est-à-dire une autre classe, il y a droit pour libéraliser les choses. Et ça, ça a été au prix des sang. Bah, Vienne Jolie, bah, Jacques Jolie, bah, Vincent Bokolombe, bah, Vienne José Lecoq, bah, Bimissa, bah, Machette. Il y a une université qui a fait ma machette bima, batouba bunda, batouba koufa pour que faculté a droit et comme ami baye, comme on a deux premières graduées. Deux premières graduées parce que il y a la promotion, il y a première année, c'était juste une promotion. Et dans cette promotion-là, le professeur presque à 80% était des balouba. Et le prof, il y a un combo. Là, c'est la réalité, l'histoire est allée. Na pesio bato ke ne kotuna ba mabete lo histoire ki sa bosembe contact sam bokolombe contact ton beau frère Jacques Njoli a bete la oma solo Jacques Njoli ba sam bokolombe ba bimisa ba machete na ta université wana bona ko détribaliser la faculté de droit ba fi bazali ba ba monument vivant ba pionnier bazali yo ko lorsque vous dit le pionnier ba héros bazala ba domaine ebélé. Faculté à droit, on a posé à la libéraliser, les lois, on va détribaliser, on va longer, comme avec ma prof, ma congo, y'a ma ngala, ma côte, y'a la quatre, on a posé à ma cour, c'est ma vieille Sambo Colombe, ma vieille José Lobo, on va pas recruter, mon frère, viens au Bingoto. Bingoto, viens au Mongo, Christian Bossembe, je te cite seulement les bas Mongo. On a dit que dans la communauté, tu pourras facilement les contacter et avoir les informations. Pose-lui la question, pourquoi faculté, le juriste, Ming Bada Baluba, au PSA aux réponses. Est-ce que nous vivons aujourd'hui, ce qui Jacques Njoli a reçu poste T dans le régime Oyoyo, ce qui vient Sam a reçu poste T dans le régime Oyoyo, c'est parce que Batou Oba Bundakana Ye, Oba Bundakana Bango les années 80 pour libéraliser l'université. La faculté a droit qu'on a ma boca ba luba. Ba toi là, on a pouvoir aujourd'hui. C'est pour ça que tu as vu ça, ma saline de Nini, dans le poste. C'est pour ça que tu as vu une jolie saline de Nini, dans le poste. Donc, c'est la réalité, c'est l'histoire. Ce n'est pas un discours tribal, ce n'est pas pour dire que tu es contre ba luba ou contre quoi que ce soit. Mais j'ai répondu, j'ai juste posé la question. Je regardais l'extrait, il y a vidéo, il y a Christian Bossembe, il nous a parlé, oui, Baluba Bazamingi, la magistrature. Et moi, j'ai juste posé la question en disant, pourquoi Bazamingi? Na ebisie, pourquoi wana, la meilleure des réponses, soit l'inga Zouango, à Luka Jacques Njoli, à Luka Sambo Kolombe. J'ai cité des noms, il y a Mongo. Oh yeah, la communauté va en amont, on pourra facilement aller contacter. Bah, bête, il y a une histoire, il y a faculté à droit. Bah, il y a une histoire, il y a une histoire, il y a témoin, il y a témoin vivant, il y a histoire. Ma, qu'il y a la bango et tanga, ma, qu'il y a Sambo Kolombe et tanga, dans l'université à Kinshasa, wana. Ma, qu'il y a Njoli et tanga, dans l'université, wana, à Kinshasa.
Bah, bimi, c'est ma machette. Donc, il a fallu ma machette bima pour la détribaliser la faculté ou le droit. C'est pour ton information, Christian. C'est pas ton âge. Je t'ai vécu, je connais pas ton parcours. Mais au moins, je te dis des choses vraies. Keneko Luka Jacques Njoli, je peux même inviter au prof Njoli, beaucoup là. Ça va me relater un peu le parcours, il y a fac, l'histoire, il y a fac. Parce que c'est des monivats vivants. C'est des gens, qui vont perdre la vie pour que Yomongo, Congo, va libéraliser la faculté. Va dépolitiser. Parce qu'ils ont dit clairement, ils disaient clairement aux gens que Bino Bozui, présidence Namobutu, Bino Bangala, place la c'est dans l'armée. Place c'est dans la sécurité, on n'avait pas de place à la faculté. Mon frère aîné, prof Naye, a dit ça, tant qu'il y a Zanakat à faculté à droit, Wana, au Léka Antiquité. Mon frère était obligé à Kokata Antiquité, Kokene Kotanga à l'université Marian Wabi. Et à Zongaki, Kotanga à la faculté Nakin, et dossier Naye, inscription Naye Komaki régularisé, lorsque le professeur Pindi est devenu recteur. Parce que le professeur Pindi travaillait avec mon père, donc voilà, et tout ça, avec avocat et à son, et mon père était parmi ma conseiller technique et qui faisait un peu tout ce qui est ma démarche en termes de droit. Il travaillait avec mon père, et donc il connaissait, et tant qu'il est devenu recteur, les problèmes, il y a inscription, un grand frère, Nangaïza qui résolit. Parce qu'il y a sur la liste rouge. Bien qu'il y ait un niveau, il y a un père parti, étant la deuxième république, on avait des réseaux, il y a madame puissant. Je peux relater un exemple au monde qui même Moutadaki paie déjà la voix disait que tout ton oncle, mon oncle, a accompagné le frère jusqu'à l'université. Mais, tant que Monica, t'es un père. Donc, bloquant Moutou, dossier bloquement. Donc, ça veut tout simplement dire que il y a eu tribalisation à la faculté à droit, l'oubalisation de la faculté à droit. Et c'est la réalité. Et regardez bien comment on a ce qu'on a Congolais, oh, bah, c'est l'université à Lubumbashi, ce qu'on tourne au Tali, la majorité na bango sont des Bangala, la majorité na bango sont des Congo. Bah, on a dit na kin, bah, refou, bah, bloqué qui bango na ba note, c'est liké, soit, Benganyo et consorts, il y en a qui avaient le moyen d'aller étudier ailleurs, comme nous, mais mon frère était parti étudier au Congo, Brazzaville, à l'université Marian Ngouabi, et les autres étaient obligés d'aller à Lubumbashi. C'est ça la réalité. C'est ça ce qui justifie un nombre important. Il y a Baloubanakata magistrature. C'est parce qu'il y avait une volonté de contrôler la magistrature pour équilibrer les rapports. Il y a pouvoir entre Mobutu, na opposition aux acquis radicaux. Il y a Baloubanakata. C'est ça la réalité. Ça, il faut Kouébara. Et tu es quand même quelqu'un qui a été à l'université. Tu fais des analyses, tu fais de lecture. Pose-toi la question, pourquoi? La première des choses qui me pose la question, pourquoi Ezalaï Bongo? Et c'est pourquoi là tu vas comprendre. Et effectivement, si tu vas au niveau de l'église, on va comprendre que oui, la plupart des évangélistes, c'est Bazalou, parce qu'il y a une Baouta qui est États-Unis. Il y a une forte communauté, il y a des Congolais, il y a d'origine Louba, au Bazalakati aux États-Unis. Et lorsque. Ambition Ezalaï qui a Mayakoya et tout ça, le fait que le Bangala. Sont à l'église catholique, raison pour laquelle on a même des cardinaux et tout ça, c'est parce qu'il y a une forte communauté catholique et développement pas mal qui m'a cassé côté à la région équatoriale. Je ne parle pas de la province équateur, je parle de la région équatoriale. La région équatoriale, c'est le Maïndo, mais c'est l'équateur, c'est la province orientale. Et vous remarquerez, c'est là-bas que missionnaire, Yaki, parce que Yaki est veillé, donc caoutchouc, il fallait exploiter les caoutchoucs, mais en échange, il fallait qu'on somme ma conscience Yabato. Yaki, la Bible, il qu'on consolide, qu'on prêche, qu'on sort. Et ce qui a fait que, vous remarquerez, dans le Congo, école, où il y a une forte communauté ecclésiastique catholique, plus dans le niveau il y a nord, côté Wana, sur Otali, Maloula, Azaki 50-50, Otali et Chouaou, Azaki 50, Otali Mosengo, voilà, au moins, il y a Anamongo, Mosengo, Anamongo, et Chouaou, Anamongo, Ambongo, Anamongo, Maloula, Azaki 50, Anamongo, 50, Mouloubanok. Donc, et ça se justifie. Et ce qui a fait que, voilà, église évangélique, il y a la logique, il y a Bundisa catholique. Et donc, le quoi, il y a une démarche, il y a créé une révolution aussi, au niveau de l'église, au niveau de la façon qu'on prêchait, mais en même temps, qu'on créait une résistance contre les catholiques. Donc, l'esprit, il y a Bandekoya Kassai, c'était un peu dans une logique, il y a.
kobundisa l'ordre institutionnel, l'ordre établi. Il y a un moment où on a logique, et il y a aussi la plupart des pasteurs, bah, qui sont États-Unis et concernant. Il y a une histoire, il y a une histoire. Et ça, quand tu es là, tu vas tourner dans la faculté de droit. Ce n'est pas parce que tu vas être belé, tu vas être à la droite. Non. Si tu es dans la Congo, oui, dans la faculté de droit, il y a une volonté de nuire d'autres communautés. Dans, du mode de vie en termes de pôle linguistique, il y avait manifestement l'intention de laisser la place au Balouba en soutenant. Vous remarquerez même au Canada, aux États-Unis, bah, bourse, bah, études, machin, tout dans la faculté de droit, c'était à la même, aux mêmes personnes, et souvent c'était dans une démarche d'équilibrer les rapports de force. Christian Bola, avec Moraba, victime, il y a tribalisation dans l'université de Kinshasa, a fait des vidéos sur ça. Et je pense que je vais même le demander à Zong sa ba vidéo wana ou à Megakusa là ba vidéo wana pour à répondre au Christian Bossemo, parce que tu es en train de parler des choses aux hommes maîtrisés. Mais nenga na ebisio benga njoli veja njoli benga vesa mbokolombe na tangelo ka de wana, parce que bango makile la bango etangaka na université wana pour que ba fungo la deuxième classe. Et comme on a deux classes, il y a première année, il y a graduat, pour permettre, bah, professeur, il y a ma communauté, moussous, il y a ma ngala, ma congo, ma swahili, bah, on a coupé sa cour. Parce que, bah, cours nion sur la faculté de droit, la première année, c'était maintenu par une communauté avec l'intention d'imposer un leadership. C'est ça la réalité. La finité, la lobino réalité. La pécio, bah, témoin vivant, vieux Jacques Njoli, na vie sambo comme lombe oba bimisaka ba machette ba vie ba dagi na choate à l'époque, donc il fallait machette bima na kwa bingoto ezika. Lorsqu'on a décidé de créer une deuxième classe pour na ko faciliter ba professeur ya bekolo msu ba tibi msu ba kota na faculté pour sinon te moyen te ne le lo au même yobo sembelo ngo sala msu domaine msu ngo za na droite. Donc voilà l'histoire à Congo, ils ont voilà l'histoire à Congo, c'est ça aussi. L'histoire à Congo, ce n'est pas seulement de parler ma question à Makambuya Vichère ou parler sur l'histoire à Congo, sur Lumumba, Kasavubu, Mobutu. Non, l'histoire à Congo, c'est de relater comment la vie universitaire et banale pour fonctionner et comment Bandeko Oyoyo, comme le roi Bakulu, tu n'as pas vu Sambo Kolombe, qui sont les monuments vivants. Sambo Kolombe, Makila Nae Tanga. Pour que batobe kolomsu, pour que promotion musu sur la faculté à droit, tout en a deux classes y a première année pour na ko équilibrer ba professeur y a ba province musu sur ba ko pe sa cours. Sam bokolombe ka moko bomu na prof sam ya sam makila etanga pour na ke faculté à droit et de la dépolitiser et de la détribaliser, parce que ba kangara faculté à droit en otage. Vieux Jacques Njoli ba bunda ba bimisa ba machete na faculté de droit na université à Kinshasa wana na tangeli yo bango Jacques Njoli Sambo Kolombe makila na bango etanga pour que ba communauté mususu ba kongola ba ngala ya ba Congo ya bekolo mususu ba ko kotanga na université na faculté de droit ba ko passer ba classe na bango normalement. Et tant ba créer ki classe wana mi balé nda kwa bingoto ezika. Et batouana, banawana, ou bagene ko ziki sanda kwa bingoto. Ba papa na bango bazaki ba kamarada ba Tshisekedi. Ba papa na bango bazaki ba adversaire ya Mobutu. Ba papa na bango balobaki ngo ouvertement ke ba okanga science. Loka Mobutu a été dictature akangi pouvoir et ils vont maintenir la science. Et ils vont privilégier bandeko na bango pour na ba équilibrer les rapports. Vous les forestiers, ba benga biso ba forestiers, allez faire la sécurité, aller à la police. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est l'histoire. Et l'histoire, wana, moi, je n'ai pas vécu ça personnellement. Mais nanda kunanga na vie vraiment, parce que mon frère aîné était victime. Il y a tribalisation, il y a loubalisation, il y a faculté à droit. Et il était obligé, on était obligé de l'instruire dans la faculté à droit parce qu'il ne pouvait pas passer. Abima pena na faculté dans la université qui est en Marion Ngabi na Congo Brazzaville. Ba foute les chambres et hôtel ala la rakuna tang rakuna et consort. Donc c'est ça la réalité. Et c'est ça qui justifie
Et le fait qu'il y ait beaucoup de juristes ou avocats, louba et tout, c'est tout simplement parce qu'ils étaient privilégiés. Parce qu'après ça, il y a un espace là, et ça, et ce qu'elle n'a pas mère, soeur, comme la famille Zalaka, s'il y a déjà un avocat, les suites, ils en ont encore bon, donc voilà. Donc en gros, résumons un peu le fait. Donc j'ai répondu juste sur la question, il y a pourquoi il y a tant de juristes et louba? C'est tout simplement parce qu'à un certain moment, vers les années 80, il y a eu tribalisation de la faculté à droit, loubalisation de la faculté de droit. Donc ce qu'on a loubaté, on les cala classé. Ce qu'on a professeur à loubaté, on peut se courter. Et il a fallu créer deuxième classe. Et comme on a deux premières années pour permettre à ceux que bah professeur ou bah outa qui n'a pas beaucoup à mousse bah on paie sa cour pour n'avoir équilibré le rapport et bah professeur ou on a bah louba bah linga qui faculté on a bah créer une deuxième promotion et tant qu'ils ont forcé la main n'a bingoto et zikaka le recteur mongo jeune ou à côté qui pour n'avoir créé dynamique quoi. Mais avant ça il y a eu des cent des gens qui ont coulé pour Nakuluka, faculté à droit et fonctionner normalement sans qu'il y ait le clientélisme, le tribalisme, la politisation de la faculté, de l'université et tout ça. Batoran Bazali, bah, vivant, Sam Bokolo, mais Atangisa Makilanae, Jacques Njoli, Atangisa Makilanae. Ils étaient obligés de prendre des machettes. Pobabunda. Pobasala, tout pour que l'université les a libérés. L'enseignement est commis bien, aujourd'hui ben, c'est équilibré. Il y a le professeur non originaire Louba, donne le cours et tout, machin et tout ça, équilibre et quota. Mais il y a des pionniers, il y a des gens qui se sont battus pour ça. Et ces gens-là sont encore en vie. Christian Bola parlait de ça. Christian Bola, oui, Christian Bola lui-même était victime, bah, maître à Londres, bah, victime, est obligé de quitter l'université de Christian Bola qui existe à l'université à Lubumbashi. Ils sont là. Donc c'est ça la réalité. Christian Bossembe, ça sert à rien de venir. Bah pécho, bah élément, bah foutu aux 100 dollars, tu passes, tu dis n'importe quoi. Et ils ont ridiculisé, ils ont réduit un peu nos néants à zéro. Parce que, et là, c'est que petit esprit aux anamo. Et là, c'est que bah insuffisance intellectuelle les alliés. Et là, c'est qu'on a histoire et à congoter. Et là, c'est qu'on a maturité universitaire, t'es scientifique, t'es parce que tu n'arrives pas à te poser la question de pourquoi. Intellectuel, nous devons se poser la question pourquoi ça? Et donc voilà, donc là, le thème y a l'élozaki en Guana qu'on avait voulu aborder, c'était répondre un peu sur la loubalisation à la faculté à droit, et ce qui a fait que ben on a vécu ce qu'on a vécu, et pendant longtemps, et Bitumba Zalaki, et il a fallu des gens comme des Njoli. Le Jacques Njoli, ben, bah, vieux José, Lokolo, bah, Nani Bele, bah, vieux Sam, Bokolo, mais Makia la bango est tanga. Il était obligé de prendre des machettes, bah, qu'il est en fond, bah, qu'il est au bout, dans la faculté à droit, pour imposer que faculté à droit, bah, dépolitiser un mot, bah, permettre à ce que d'autres étudiants non originaires, louba, de pouvoir étudier normalement, bah, si ça va classe, ça va plus, bah, évoluer. Et ce n'est pas parce qu'il y a une forte communauté Mokoboé, dans le domaine Mokoboé, tout ça, qu'on doit leur laisser le privilège de tout faire, de faire ce qu'ils ont envie de faire. Le pouvoir est là pour équilibrer le rapport. Le pouvoir est là pour assurer qu'il y ait une représentativité nationale. Le pouvoir n'est pas là pour favoriser encore davantage une tribu au détriment des autres, créer de la discrimination. Là, c'était juste une manière de répondre à notre ami Christian Bossembe, qui a fait une émission par rapport à ça. Pour nous informer, déjà on savait qu'il y avait un nombre important de Balouba dans la magistrature, effectivement, c'est tout simplement parce que vers les années 80, il y a une volonté manifestée d'exclure d'autres communautés, notamment les Bangala, les Bakongo par la suite, parce que c'était une guerre Est et l'Ouest. Et parmi les pionniers, le figure emblématique de ces combats-là, de la libéralisation de l'université, nous avons cité le professeur Sam Bokolombe et Jacques Njoli, Oyoyolelo, qui sont encore des monuments vivants qu'on peut consulter et demander de nous éclairer un peu ce qui s'était passé à cette époque-là. Donc, bah, ma chette et bima, bah, ma kilanabango est tangamanassé pour que yo, Christian Bossembe, autant dans la faculté à droit. Pour que tous ces non-originaires, Loubabatan dans la faculté à droit. Il a fallu bah, vieux Jacques Njoli, bah, vieux Sam Bokolo, mais bah, machette, bah, ma kilana bango etanga pour bah, libéraliser la faculté. Et ça a été libéralisé.
Et ce qui a fait que les choses ont évolué, voilà, mais l'ancrage, on a une forte communauté Luba et Tikalaki. Donc voilà un peu la réponse que je pouvais apporter à notre ami Christian Bossé, mais je demande à ce que Christian fasse des précisions parce que bah, témoin vivant et à histoire, on a relaté un peu le fait. Parce que nous, on a pris, on a bien sûr qu'on a été aussi informé de la situation parce qu'on avait des frères directs qui affectaient la problème, voilà, mais témoin direct comme des Christian Bola et maître à et consorts peuvent en témoigner, peuvent dire ce qu'ils ont vécu, voilà, à l'époque, voilà. Et ce qui justifie qu'aujourd'hui, qu'il y ait cette forte communauté Luba dans la magistrature, parce que c'était une politique instaurée, installée, voulue par Tshisekedi, professeur Monseigneur Tshibangu et tous les vieux Luba et consorts qui ont privilégié leurs enfants au détriment des autres. C'est ça la réalité. Voilà, donc direct, Nabiso Soukiawa, comme on l'avait dit, on va commencer à faire des petites vidéos à 10-15 minutes où on parlera d'une thématique, d'un point précis, et puis tout ce qui est là. Donc voilà. Donc réfléchissons ensemble, pensons. Total à Makambo, ils ont quoi pour l'avenir. Tribalisme, les Amabé, ce n'est pas avec le tribalisme qu'on va construire. Mais nous autres, nous sommes en train de dénoncer la tribalisation de l'appareil de l'État. Nous sommes en train de dénoncer l'institutionnalisation. Il y a tribalisme, n'appareil, n'abisso, yamboka. C'est tout ce que nous dénonçons. Donc, moi, accusé, biso a torté. On est en train de dénoncer ce que nous voyons tous. Nous disons tout haut ce que les autres pensent et disent tout bas. Donc, voilà. Il y a eu ceux-là qui ont eu le courage de le dire, comme à l'époque, le vieux Njoli, le vieux Sam Bokolo, mais ont eu le courage, il y a qu'on ma machette, qu'il y a un affront pour nous imposer stop na pratique wana tribal wana zaki ko privilégier baluba na magistrature donc na faculté à droit. Ça c'est la réalité, ça c'est l'histoire. Et cette histoire là, il y a des gens qui sont mieux placés pour en parler, les gens sont mieux placés pour en dire quelque chose. Donc voilà, essayez de transmettre cette vidéo à Christian Bossembe s'il n'a pas été informé, à comprendre le pourquoi il y a présence importante il y a baluba na faculté à droit. Et on le recommande bien évidemment à contacter beau-frère Naé Jacques Njoli, à contacter Vessam Barrelaté. Parce que ce sont des témoins vivants, c'est des personnes qui ont la bango et Tangaki pour que la faculté des droits soit libérée. Donc voilà, on a des libérateurs dans tous les domaines. La faculté de droit, bah, libérateur, et bah, vieux Njoli, bah, vieux Bokolo, mais oh, bah, Salaki Bitumba na bango, pour bah, permettre à ce que Congolais ou Alinga ça la droit, à ça la droit. Même si on a Munga là où ça la droit. Et là, bah, qui vit na bango en danger et bah tcha qui vit na bango en tout cas pour na moka et puis ils ont payé les prix parce que ma clé na bango est en acquis mais en fin de compte bazala qui vivant et ils sont là, ils sont des brillants professeurs au nakata faculté en droit. C'est pas des gens à remettre en cause ma qualité na bango, ma moralité na bango, mais allez les consulter bah irez la télé bino bah fait. Ce qui va au linga koloba, parce que bon, la situation politique est là, qui ben, a une tendance politique, beaucoup vont se taire et vont refuser à relater un peu le fait Nenge Salama qui est tout, mais néanmoins, nous avons des grands noms, Sam Bokolombe et puis Vien Njoli qui était sur le front, et puis ils ont témoigné, ils vont témoigner. Ils étaient présents, Mama Kilena Bango est tanga pour ça, bah, Christian Boll a été présent, bah, victime, il y a système monnaie Luba, na une faculté à droit, bah, maître Alongo, on s'est retrouvé dans Lubumbashi, bah, grand frère Nanga, bah, Claude Chomong, on s'est retrouvé dans l'université Marion Ngouabi, bah, tu vas être belé, bah, tu vas être belé, bah, qui, bah, victime, il y a l'ubalisation, on a la faculté à droit, il y a faculté à médecine, il y a science, bah, bloquant qui peut la science. Donc, en gros, c'est comme ça que nous résumons et nous disons bonne soirée, bonne semaine à tout le monde et à bientôt. Merci, ciao.